François, à l'arrivée du rallye du Boulonnais, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Je pense que ça serait difficile d'être plus joyeux ce soir parce que on a fait, je pense, un beau rallye dès l'entame hier, dès la première journée de prologue, où on a réussi à placer l'auto au 16e rang. Et donc c'était déjà très satisfaisant pour démarrer. Et puis l'objectif aujourd'hui, c'était de maintenir la position, de rester dans le wagon de tête. Et ce qu'on a réussi à faire, puisqu'on rentre ce soir 17 au général. Et puis on enlève la classe, donc ça fait quoi, la quatrième ou cinquième fois cette année. Donc ça fait vraiment plaisir. Et je dirais qu'à titre personnel, c'est la troisième fois de suite qu'on gagne la classe à Boulogne, qui est un rallye dans lequel j'ai débuté en 95 avec mon regretté ami Jimmy Manessier qui m'avait offert la chance de découvrir ce magnifique sport dans le baquet de droite. Donc j'ai toujours une pensée pour lui quand je viens ici. Voilà. Bon, Céline, c'était victoire de classe. Il ne doit plus avoir beaucoup de place chez toi pour mettre les coupes. Hein. Non, plus beaucoup, mais ça fait toujours plaisir, quoi. Et là, franchement, j'ai roulé pour je sais pas combien de fois avec François, mais j'ai fait mon premier rallye avec lui à Boulogne l'année dernière et il y a une super progression chez François, je viens de lui dire tout à l'heure. Franchement, c'est top. Il progresse énormément et je suis fière de mon pilote. Bon, on va dire ça comme ça. C'est grâce à toi, alors, tu lui portes bonheur. On va dire ça aussi comme ça. Ah oui. Bah oui. Alors si, moi je tiens quand même à ajouter que ça joue pour beaucoup. Oui. Ça joue pour beaucoup parce que c'est vrai que la confiance, elle est, pour moi, elle est à 100% envers Céline. Et puis on s'entend bien et puis l'ambiance dans l'auto, elle est détendue, elle est calme, elle est concentrée. Donc c'est vraiment un régal de rouler ensemble. Et c'est vrai que ça fait un an qu'on roule ensemble. Donc c'est vraiment en fait un bel anniversaire. Finalement à deux, c'est pas mal. On re-signe pour un an de plus. Je crois qu'on est reparti pour une paire de rallye. Hein. Je pense qu'on est reparti pour une paire de rallye. Mais il y a une paire de pilotes qui... En fait, quand on se bat avec les pilotes pour l'avoir à nos côtés. Il y a un Sylvain Foutré derrière, je crois. Sylvain, lui, par contre, je crois qu'il veut plus, lui. Je crois que Sylvain, il a dit qu'il voulait arrêter avec elle. C'est vrai, Sylvain? Non. Dans 10 ans. Non, mais avec Céline. Bon, on peut remercier les partenaires, dont ta boîte, que tu fais partie. Oui, les cabinets d'orthopédie, orthopédie prothèses du Boulonnais, à deux pas d'ici à Isque, Synergie Orthopédie à Campignol-les-Petits, donc c'est dans le Montreuilois. Et puis un grand merci, comme à l'accoutumée, au Team Autoru. Et une mention spéciale à mon ami Mathieu Lescarmontier, qui à chaque fois est toujours de très bons conseils, qui me confie à chaque fois une voiture qui est toujours parfaite. Je pense qu'on ferait pas non plus ce qu'on fait s'il n'était pas là. J'ai aussi une pensée pour son papa parce que c'est vrai que le Team Autoru, c'est son papa et c'est lui le garage Autoru. Et puis après d'autres partenaires, Lignée Travaux Publics à Montreuil et puis Bevin aussi dans l'alimentaire à Montreuil-sur-Mer et puis une pensée aussi pour TechnoPlus. Merci à vous et à bientôt. Félicitations. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Bureau.